À Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Bonjour les enfants, bonjour les familles. Le quatrième thème correspond donc à celui du quatrième dimanche, c'est l'annonce faite à Joseph qui est perdu et le Seigneur se manifeste à lui dans un songe pour qu'il accueille tout ce qui se passe, qui a de quoi effectivement être le déboussolé, et il entre dans une démarche de pleine confiance. Il reçoit confirmation de ce qui se passe, eh bien c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui est à l'œuvre et qu'il a sa part importante dans ce plan de Dieu, qu'il n'est pas à être de côté, il n'a pas à être exclu de cette réalisation du Seigneur. Et il va faire confiance, il va devoir faire confiance, comme Marie d'ailleurs, elle a aussi fait confiance elle aussi quand l'ange lui est apparu. Et Joseph va entrer dans cette confiance vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Marie, vis-à-vis du plan de Dieu. Il va découvrir que, il ne sait pas tout et il ne saura pas tout. Et la confiance, c'est ça, c'est pas tout savoir à l'avance, c'est pas tout comprendre, c'est pas tout saisir, mais c'est au jour le jour, instant après instant finalement,
accueillir ce que Dieu nous donne de vivre et lui dire, bah oui, avec toi, je vais faire ce pas de plus. Avec toi, je vais faire ce chemin. Avec toi, je vais entrer dans tel projet. Avec toi, je vais aller au bout de ce que tu me demandes de vivre, sans savoir quand est-ce que aura lieu ce bout-là, quand est-ce que cela se terminera ou sous quelle forme cela se terminera, en sachant que le Seigneur, il est là. Et il nous montre qu'il est là, d'ailleurs, il donne des signes. Joseph reçoit ce signe en songe, hein, qu'il est à la bonne place et que le Seigneur compte sur lui. Donc il y a la confiance que nous mettons dans le Seigneur, dans sa parole, dans son projet, et puis il y a la confiance que Dieu nous fait, qu'il nous accorde, alors qu'on est, je dirais, des pauvres pécheurs bien limités. Et le Seigneur nous fait confiance. Il nous demande de prendre part à ce qu'il veut réaliser, non seulement en nous, mais autour de nous et bien au-delà pour le monde. Et ça, c'est extraordinaire de se dire que Dieu nous fait confiance. Dieu nous appelle à être dans cette docilité à son esprit pour pouvoir accomplir de grandes choses, mais pas par nous-mêmes, par lui. De la grâce de ta douceur. Éclaire mon intelligence, toi qui as été comblée de la faveur de Dieu. Alors ma langue et mes lèvres chanteront tes louanges. Accepte que moi, ton petit serviteur, te loue et te dise doucement. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Amen. Mettre un beau pouce pour cette belle vidéo.